Mais y aurait pas un petit peu de monde là? Yo! Yo, ça fait plaisir, y'a du monde! Let's go! Coucou YouTube, on n'a pas encore tourné les gars, doucement, doucement! Enfin, après, oui, c'est vrai qu'il y a la chaîne Rediff, donc en vrai, oui, vous pouvez le dire, vous pouvez le dire. J'espère que vous allez bien, les gars, ça fait plaisir, y'a du monde! Y'a du monde! D'ailleurs, je le dirai qu'une seule fois, mais. Voilà, je ne dis rien même, je ne dis rien, juste. C'est tout, je n'en dis pas plus, voilà. Du coup, yo Isho, yo Tony, yo Gen, yo Reziox, yo Panda, yo Noah, yo Dead, Dead ni mort, yo Vortex, yo Black Goku, yo Kogman, Kogman? Je sais plus, je sais jamais mon gars, je sais jamais. Yo Nonon, est-ce que j'en ai loupé? Andriox, Kimi Boy aussi, Kimi Boy. Nico, j'aime bien dire les deux. Kieran aussi. Ça fait du beau monde! Ça fait du beau monde! Ah non, mais ça fait plaisir. Sur Twitch, avoir autant de monde, c'est. On teste quoi ce soir? Bonne question, les gars. Bonne question. Qu'est-ce qu'on tente ce soir? Qu'est-ce qu'on teste? Eh bien, on va aller regarder ça tout de suite. On va aller tester. Comme Iron Man, donc Kogman. Ok. Je note. Je réapparais aux Zarsis. Zarsis. En parlant de Zarsis. Déjà, j'espère que vous allez bien, les gars. Et Teki aussi, Teki, Draghi, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Vous êtes trop nombreux. Vous êtes trop nombreux. Moi, je vais très, 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 très bien. Ça fait plaisir de vous retrouver ce soir, en plus, sur du Xenoverse. Ça fait plaisir. Oh là! Il a un problème, je crois, Bettera, aujourd'hui. Bettera a un problème. Par contre, si je le mets là... D'accord, s'il est comme ça, il n'a pas de problème. En version classique, il a des problèmes, mais pas là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc ouais, il y a du beau monde, il y a du beau monde. J'ai un petit peu rajouté des trucs un petit peu au pif quand j'ai envie de tester. Par exemple, le Trunks de Lazybone en Super Saiyan Rage. Voilà. Parce que je l'aime bien. Parce que vous savez, il a l'aura jaune et bleue. Donc voilà, je le voulais, je l'ai installé. On va pas le tester plus que ça, mais il existe. J'ai pris ce Broly. Voilà, on le testera. Il y a un Baby aussi. Qui peut se mettre en Super Saiyan 4, ça n'a aucun sens. Un Vegito Xeno. Un Gogeta Xeno, je sais pas ce qu'ils valent. Mais surtout, le plus intéressant, ça va être ce Gohan. Il est trop bizarre, il est. What the fuck? On a un Gohan ado, en non transformé, ça va être trop stylé. Qui a été fait par Zarsis, justement. Donc on va tester ça, et on va pouvoir le juger sur ce qu'il a fait. Sans aucun scrupule. Mais en tout cas, merci à lui d'avoir passé le mode. De toute façon, je crois qu'il est gratuit, donc vous pouvez l'avoir vous-même. Si Zarsis est là et qu'il veut balancer un lien, je sais pas s'il a un. Un VGM, un truc, balance le lien. Ou alors sinon, allez sur Discord, je crois qu'il y est. Donc voilà, t'as déjà essayé Gokan? On peut essayer Gokan aussi, ouais. C'est vrai qu'on l'a pas essayé. On pourra peut-être l'essayer aussi. Quelques sets, parce qu'il en a beaucoup, 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 beaucoup. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas le tester? Et on a aussi ce Goku. Oh là là. Oh, il a pas l'air incroyable, déjà, rien que la position. Ouh, j'aime bien. J'aime bien. Y a Barco, ici, ça fait plaisir. Ah, vous sentez que là qu'on a du. On a des beaux trucs là. Et je sais pas du tout pourquoi il a cette pose, mais. Oh, il est pas là pour rigoler, hein. Ouais, le Goku, il sent bon, hein. On est d'accord. C'est pas la pose quand il a. Ah, ouais, pas bête. Putain, il y en a, ils sont connaisseurs. Hein. C'est vrai que c'est la pose quand il. Une fois qu'il a battu Boo, c'est vrai qu'il se met à terre comme ça et qu'il fait. Bon, on peut souffler maintenant. La santé du Goku. Oh, ouais. Ouais, niveau stat. Oh! Ouh, il est là pour taper le Gohan. Oh, le Gohan, il est là pour taper. Il a le Super Saiyan. Ah, il a l'air d'avoir des trucs sympas. On va commencer par des trucs classiques et après on ira dans le dur. J'ai envie de commencer par ce Végéto parce que ça se trouve, il a rien de spécial. Voilà, on commence tranquille. Le Végéto et le Gogeta. On va voir ce que ça donne. J'ai aucune idée de laquelle map je vais prendre. On va prendre la base du ruban rouge. On va tester. Je crois que eux, ils ont rien de spécial. Juste, ils ont bah, des tenues modées et une transformation assez intéressante. Ils viennent de Hagwang, je crois. Donc, je pense que ça va être surtout avec les transformations. Oh, il est classe, hein. Déjà, il y a quelque chose, hein. Ah ouais, il est pas moche, hein. Franchement, il est pas moche. Avec la queue de Saiyan et tout. Oh là là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Olé, je sais pas pourquoi il a pas l'animation. Ok. On va enlever lui. Oh. Bon, au revoir.
jouera à Xeno 3, évidemment. S'il y en a un, oui. Alors, est-ce que t'as des combos modés? Non, je pense que c'est... Ouais, c'est ceux de Vegeto Blue. On est d'accord que c'est Vegeto Blue, ça. Hein. De toute façon, on va le voir très vite. Si je fais ça... Ouais, c'est Vegeto Blue. C'est complètement Vegeto Blue. Oh, sympa. Il a ça. Ok. Bon, c'est... Je pense que, ouais, le plus intéressant, ça va être la Transo. C'est pour ça que je voulais les tester rapidement au début. Parce qu'il a rien de spécial. Monte la Transo. Ok, eh, franchement. Franchement, c'est sympa. Hein. J'aime bien. Yo, Miragon. Yo, yo, yo. Encore une map DBL, toujours. Toujours. Vous savez que j'ai toujours pas droppé Cellmax. Hein. Enfin, Cellmax. C'est l'LF. Hein. J'ai fait pas mal d'invocations. Rien du tout. J'ai eu un doublon de C17 encore, mais sinon, que dalle. Ah, il a les mêmes combos. Ok. Alors, il a un Final Shine. Ok. Et un Final Kamamea. Ok, c'est sympa. Tu vois, c'est le genre de perso que bah ça va être cool pour... Il est mort? Oh, il est mort. Ça va être cool pour l'affronter. Si jamais je joue un méchant et que je veux un Végéto, bah je pourrais prendre celui-là. C'est cool. Oh, le Gogeta, par contre, a l'air d'avoir des trucs un petit peu plus intéressants. Yo, Zeno. Yo, yo, merci pour ton follow, mon gars. J'espère que tu vas bien. Ok, il peut se mettre en Super Saiyan. Ah, c'est cassé, non? Je crois que c'est cassé. T'es pas censé te mettre en SSJ4, toi? Non, mais en plus, si c'est cassé, y'a rien qui va, hein. Ok, bah j'en ai assez vu, du coup. Commençons les choses sérieuses. C'est flingué un petit peu, hein. C'est des modes payants. Hein. Je dis ça comme ça, c'est des modes payants. Et après, il y a un Broly et un... Tu peux arrêter de tout casser, le chat, ou... Mon chat qui casse tout. Commençons par Gohan. Contre, ben, Cell, hein, évidemment. Contre Cell. Oh, j'ai jamais regardé, parce que lui, il brille, hein. Dans le jeu de base... Merde, j'ai pas mis ma cam. Ce Cell, il brille de fou, et là... Ah ouais, c'est classe, hein. Quand t'as les reshades et tout... Y'a quand même un truc, hein. T'as payé ça? Non, non, j'ai pas payé ça, je vous rassure, je l'ai pas payé. Je l'ai pas payé, je vous rassure. Ouais, bah partons avec celui-là. C'est dommage qu'on n'a pas une map... Non mais vraiment, les chats, ils ont décidé de tout casser. Attendez, je reviens, parce qu'ils vont détruire mon bureau. Je reviens. Terrible. J'étais en stream, j'étais pas en stream, il faisait rien. Bizarrement. Du coup, je disais, c'est dommage, j'ai pas d'arène des Cell Game, mais détruite sans qu'il y ait un gigatrou en plein milieu de la map. Donc on va se contenter des Cell Game pas détruits. Et let's go. Let's go, let's go. J'ai pas changé de musique, tant pis. Yo Hunter, je sais plus si je t'ai dit yo. Bien, c'est le modé, je pense, hein. J'en ai pas, pardon. Eh, il est sympa, hein. J'aime bien. Par contre, il a l'air... Ouais, il a... Sa taille est bizarre parce que... Il touche pas le sol. Il touche pas le sol, mais son modèle... Du coup... Bon, c'est pas grave, hein, mais... C'est bizarre. C'est bizarre. Ok, la chope. Alors, c'est le lancer du dragon, ok. Peut-être justement pour ça, pour ce genre de truc, qu'il a une taille comme ça. Pour qu'il touche son adversaire. Putain, ça demande déjà des pubs. Putain, vous rigolez pas, vous. Alors, par quoi on commence? Ok, boulette classique. C'est Dragon Ball Street, t'inquiète pas. Désolé, Hunter, désolé. Alors, combo carré. Oh, il a mis le move de Bardock. Oh, c'est classe, du coup. Oh non, c'est insane. Ah ouais, non, c'est trop bien. Boom. Ah ouais. Oh non, trop bien, du coup. Oh, merde. Oh, ah, c'est pour Reziox qui avait pensé avoir esquivé la pub. Ok, classique.
Ok, 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 ok. Ça va pas plus loin? Ça s'arrête à ce moment-là? Je suis perturbé. Faut que j'appuie sur triangle. Non, non, ok, ça s'arrête là. Ok, ok. Oh, ça c'est attaque de Bardock, ça. Ça rend bien sur Gohan. Boum! Sympa, franchement sympa. Est-ce que je le transforme? Ouais, on va le transformer. Ah, du coup, attendez. Parce qu'il y avait écrit super... Ça vous amuse? On vient à peine de commencer et vous jouez déjà à ça, vous? Vous êtes pas cool. Hein. Oh là, oh là, oh là, j'aurais pas dû faire cette attaque! Oh, j'aurais pas dû. Oh, j'aurais pas dû. S'il vous plaît. Au secours. Moi, je veux juste que ça redescende mon ki jusqu'à ce que... Ah, voilà, on est d'accord que j'ai Super Saiyan. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? What the fuck? Mais il y a des auras de Kaioken et tout. En fait, ce que je veux, c'est avoir assez de... De ki pour Super Saiyan 1, en fait. Non, mais... Vous êtes pas chiant. Ok, donc on peut Super Saiyan classique. Ok. Ça ne change pas le moveset, j'imagine. Il est trop stylé, le Gohan. Hein. Franchement, le Gohan, il est bien fait. Hein. Il est vraiment beau. Oh là 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 là, non mais... Regardez-moi ça, il est qu'en Super Saiyan 1. Il rigole déjà pas. Il est en Super Saiyan 1 seulement. Oh là 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 là. Le Gohan Blue Kaioken. Non mais c'est terrifiant, attendez. Boum. Ah ouais, d'accord. C'est genre, c'est le potentiel caché qui se réveille. C'est stylé, en vrai. En vrai, c'est stylé, hein. Boum. Et c'est quoi l'autre truc, là? Super... Super hyper combo blast. Non, ça, c'est ce que j'ai fait. C'est volley buster que j'ai pas fait. Non, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Non, c'est ça, non? Ah oui, c'est quoi? What the... What the fuck? Il est mort. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Il a un Zenkai, un peu, hein. Le Black Knight, yo. J'espère que vous allez bien, les gars. Yo, Dylan. What the fuck? Eh, pour l'instant, j'aime bien. Hein. Pour l'instant, c'est cool, hein. Regardez-moi ce combo, en plus. Regardez-moi ça. Tellement RP. Oh là 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 là, c'est trop stylé. C'est trop stylé, mon gars. Incroyable. Boum. Ah, j'aime bien. Allez, Super Saiyan 2. Pour le Super Saiyan 1, il n'y avait pas trop d'animation. Du coup, pour le 2... Ah, pour le 2, il y en a une, mais c'est la classique. Ok, ok. Ça reste les transfos classiques. Peut-être rajouter une petite transformation modée, ça serait insane. Ça serait incroyable qu'il y ait une transfo modée. Oh là. Il s'est TP direct dessus ou c'est moi? Attendez, j'ai l'impression que je me suis TP direct dessus. Non? Let's go. Boom. Vas-y, Panda, fais-toi plaisir. Hein. Comment j'ai fait ça, moi? Oh là là, Gohan. Gohan qui s'arrête plus. Oh là là, c'est tellement bien, j'adore. Comment tu as fait? C'est assez compliqué, Léopa. Tu peux aller sur Discord pour demander. Peut-être que je ferai un tuto un jour. En vrai, c'est une fois que tu sais le faire, c'est pas dur. Mais il y a pas mal de conditions, etc. Donc je peux pas t'expliquer là maintenant. Mais à la limite, si c'est beaucoup demandé, je ferai peut-être une vidéo tuto si ça intéresse des gens. Ou peut-être des gens de Discord le feront. J'allais dire. Il y avait encore la transformation disponible. Alors, Godly Big Bang attaque et fixe. What the fuck? Oh! Oh, stylé! Oh, c'est incroyable! Oh, ça fait l'animation du... Attends, c'est trop stylé. Est-ce que vous pensez que ça annule les attaques? Là, il me fait... Non, je voudrais bien qu'il me fasse une attaque ultime. Fais-moi un Kamamea solaire. Ah ouais? Bon, ça marche aussi. Oum! Ah, ça passe au travers! Fais chier! Ok, tant pis! Boum! Oh, c'est stylé en vrai. En vrai, c'est classe. Air Force. Ah, oh, c'est stylé! Et du coup, on a volé Buster.
Oh, il s'est autoguidé. C'est autoguidé, mon gars. Mais oui, monsieur. Oh, la dinguerie. Ça doit pas faire du bien. Bon, passons aux ultis. Oh. Franchement, sympa. Je sais pas si je le présenterai en vidéo. Mais en tout cas, pas prévu aujourd'hui. Peut-être que je le ferai. Mais là, j'avais juste envie de voir le Zarsis de Gohan. Le Gohan de Zarsis, plutôt. Il est vraiment cool, hein. Final Destroyer. Ah, bah c'est la même. Ah non. Oh la vache. Ah, c'est sympa, hein. Je sais pas pourquoi les sons d'effect sont très 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 faibles, mais... Franchement sympa. Hein. Je peux trouver le salon qui m'aidera. Bah, dans Help Modding. Tout simplement. Ça porte bien son nom. Tu vas invoquer sur Roi Démon sur Sadest. Non, je pense pas, les gars. Je pense pas. Même si le portail est incroyable, j'ai plus trop d'intérêt pour cette DS. Et ça, c'est quoi? Oh, stylé l'explosion. Y'a pas une... Ça se charge, non? C'est juste, ça fait une grosse explosion. En vrai, c'est classe, hein. En vrai, c'est giga classe. Ah, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Nos modeurs ont du talent. Non, ça se charge pas, ok. Ça fait juste une grosse explosion. Sympathique, sympathique, sympathique. Celui quand il sait faire un Final Flash. Après voilà, hein. Oh là là, du coup ça touche. Ah, c'est facile pour combo, c'est fort. Ah non, par contre je pense qu'il peut être bien pété le perso. Oh, il est mort. Ah ouais, non, c'est fort. Il a l'air bien abusé, ce Gohan. Non mais pourquoi il est en aura de Kaioken quand il fait ça? Boum, 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 boum. Boum. Ok, ok, j'aime bien. Confisqué chez Vegeta. Sympa. Vous donnez une quelle note à ce petit Sangwan? Ah, il est stylé. Hein. Bonjour tout le monde. Une violence carrément. Réplique épileptique. Désolé, désolé, désolé. C'était pas voulu. Big Bang. Boom. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Peut-être qu'il manque. Peut-être des... Parce qu'on a que celle-là en attaque en skill au corps à corps. Après, c'est beaucoup de rayons, etc. Peut-être un peu plus de moveset au corps à corps. Ça peut être sympa. Je sais pas. Boom. En tout cas, il est vachement cool. J'aime bien. Je le garde dans mon rooster. J'en ferai peut-être une vidéo. Franchement. Franchement, j'aime beaucoup. On a du 8 sur 10, 8 sur 10, 8,5, 9 sur 10. Ah, ça fait plaisir. Il est cool. Ouais, par contre, je pense qu'en combat, il doit être bien cheaté. On ira le tester. C'est le perso modèle plus fort. Bah, il y a du Beerus Akai et du Zeno. Mais sinon, je pense que celui qui détruit vraiment tout, c'est... C'est... Vraie divinité Zamasu. C'est lui qui détruit tout. Regarde-moi ses stats. Je pense que c'est lui le plus fort. En tout cas, dans mon rooster, je pense que ouais, c'est lui le plus fort. Mec, il a juste à marcher, il tue. Est-ce qu'on testerait pas? Est-ce que ce serait pas l'heure? Est-ce que ce serait pas l'heure de tester Goku? Le cube détruit Zamasu sans problème. Je sais pas c'est quoi le cube. Rien que le nom, ça me fait peur. On va le tester, hein. Et je pense que ce sera la vidéo de samedi. Oh, j'ai des musiques de... Oh, j'ai des musiques de super-héros. Ça, je sais même pas. Incroyable. C'est... Je savais pas. Attendez, j'ai des musiques, je savais pas que je les avais. Je regarde ce que j'ai. J'en ai pas beaucoup, mais... Vas-y, on va mettre ça. Testons ce Goku. Alors, je crois que savoir ce que c'est, donc on va prendre Janemba en adversaire. J'ai juste vu, je sais pas du tout ce qu'il fait, mais j'ai juste vu le titre du perso. Il s'appelle Goku Gogeta, donc...
Je prends Janemba. Hein. Et on va tester ça, let's go. On la mettra après. Ouais, c'était des... Mais pourquoi il est comme ça le Goku? C'est terrifiant. Terrifiant. Alors montre-nous. Montre-nous. Ok. Pour l'instant, c'est un Goku. Tout ce qu'il y a de plus classique. Vous savez quoi, je vais laisser le. Meteor Crash. Ah oui, il a pas les. Ah oui. Ah oui. Ok. Ok, c'est juste carré, hein. Là je fais juste carré. Hein. Non mais calme-toi. Ok, je vois le délire. Je vois le délire. J'ai compris. Alors, j'ai pas compris ce que j'ai fait, mais... Ok. D'accord, ok, ça s'arrête là. J'essaye de faire un combo, mais... Je vous assure que c'est pas simple. Ryuken! Oh la vache! Oh le Ryuken de fou furieux! Oh, il est classe, hein. Je peux le transformer en SSJ3 ou... Ok... Meteor Crash... Kamehameha... La shop classique, j'imagine. Ouais, la shop classique. Il commence bien, hein. Yo, Adels. Yo yo yo. Oh, oh, oh. Ok. Allez, ressaisis-toi, Janemba. Ok, sympa, sympa. Hein. Canon bloc combinaison. Oh, il est stylé. Mais what? Mais c'est stylé de fou. Ok, puis après c'est un point du dragon, tout ce qu'il y a de plus classique. Oh, il était incroyable. Commence avec le SSJ1. Ah d'accord, il y a du SSJ, j'avais peur justement qu'il n'y ait pas de SSJ ou quoi. Ah. Oh là 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 là. SSJ2. Super Saiyajin 2. Vas-y. Boom. Oh, il est jaune de fou son gi du coup. What the fuck? Super Saiyajin Steed. Ah mais ça se trouve il avait d'autres combos selon les... Attendez. Non c'est bon, il a pas l'air d'avoir d'autres combos, ça va. Oh, c'est stylé sa mère, hein. Oh là 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 là. Il est incroyable, hein. Et du coup si je fais ça... Oh là 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 là. Il est incroyable. Boum. J'adore. Bah ouais, bah oui, bah oui. Et du coup, si je fais ça... Oh, ça va être incroyable. Il est mort. M'en fous. Oh là 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 là. Oh, il est incroyable. J'adore. Oh. Oh, il est trop stylé. Il est trop 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 classe. C'est quoi ça? Ah ok, c'est ascension immédiate. La dinguerie. Du coup, apparemment, je peux encore m'éveiller, du coup, si j'ai bien compris. Ok, ça détransfo. Ah, je peux direct SSJ3, ok, ça c'est cool. Je peux pas fusion? Comment on fusion? Comment qu'on fait? C'est comme l'autre où il faut être à... Tout son ki moins 1. Comment on fait? Peut-être les PV. Attendez, je veux trouver. Non, c'est pas ça. Merde, je me suis trompé. Oh, il focus direct l'ennemi. Vous pensez que c'est les PV? Attendez, on va essayer. Alors, c'est pas les PV. Ah oui, non mais j'ai 1 million de PV. Regardez mes PV en danger. Hein. En danger, je suis encore dans le vert. Hein. C'est n'importe quoi.
Faut être en forme de base. Attendez, je veux trouver. Je veux trouver. Vers devant, non? Non, c'est pas ça. Ah, pourtant, j'ai pas un million de touches, hein, je veux te dire. Ouais, danger en vert, hein, tout bien. Yololo. Oh! J'appuie deux fois. Oh, let's go! Oh, let's go, j'ai trouvé! Oh, yo, 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 yo. Oh. Oh, il est là. Vous savez, je crois qu'on a jamais essayé de mode Gogeta Super Saiyan du film Janemba. Je crois qu'on en a jamais essayé. C'était, je crois, quasiment tout le temps des Gogeta DBS. Oh là 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 là. Allez, profitez. Allez chercher votre popcorn. Je bois un coup. Je bois un coup. Et après, j'appuie juste sur carré comme un débile. Si j'arrive à reboucher la bouteille. Ok. Allez, full carré. Full carré. Ok. Non, il est mort. Oh non, il est mort, mais c'est incroyable. Il est mort, mais c'est incroyable. Attendez. Ah bah oui, ils étaient en danger. C'est bon, il est en illimité. Allez, vas-y. Là, c'est bon, il mourra pas cette fois. Ah oui, oui, c'est pas la même. Ah oui, c'est pas la même d'un coup. Ah bah oui. Oh, les yeux, regardez-moi ça. Oh là 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 là, c'est incroyable. Ah ouais, dans cette... Oh, la dinguerie. La dinguerie. Va falloir que vous me trouviez un titre de vidéo, les gars. Oh là 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 là. Eh, hey, full triangle. Ah, let's go. Oh. Oh. Dégage, mon gars. Boom. L'autre, il fait l'ulti. Mais vous avez vu l'animation? What the fuck? Attends, t'as laissé l'autre transfo caché. Je le ferai après, t'inquiète. Je le ferai après. Sauf si c'est mieux de le faire avant ça, mais... je pense pas, je le ferai après, t'inquiète. Mais what? La passion en un mode. Oh la dinguerie. Ah ouais, châtiment spirituel au calme. Non mais y'a pas de soucis, mon ref. Y'a pas de soucis. Boum. Ah, il tire avec, il fait des piou-piou de châtiment spirituel. Ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas, je crois. Tant que j'appuie, ça s'arrête pas. Mais je peux le one-shot, en fait. Je peux littéralement one-shot, du coup. Vas-y, touche. Piou-piou-piou-piou-piou-piou. N'importe quoi. N'importe quoi. S'il vous plaît, pitié, dites-moi que la shop, c'est celle... Oh non, c'est pas celle où il met le coup de poing. Je sais pas qui c'est qui le faisait, ça, comme mode, où l'adversaire dans la shop, il mettait le coup de poing et après, tu faisais le châtiment spirituel. Ah, ça aurait été fou. Il a l'air d'avoir les mêmes techniques, par contre. Ouais, il a l'air d'avoir les mêmes techniques. Ok, ok. Ah ouais, d'accord, hein. Bing Bang Kamama dans le combo, tout va bien. C'est moi où l'écran se brise par moment, il y a moyen. Alors, je suis pas... J'ai pas tout compris du... Olé. Non mais non, mais il refait les piou-piou-piou. Il s'arrête jamais. Il s'arrête jamais. Du coup, il fait un point du dragon. Ah oui, il fait un point du dragon, ok. Liu Ken. Bon, c'est surtout les combos, du coup. Oh, par contre, avec le combo de tout à l'heure. Oh, avec le combo de tout à l'heure. Oh, il est incroyable. Oh là 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 là. C'est quand même très stylé, hein. C'est quand même très très stylé. Le meilleur combo reste largement celui-là, qui est absolument fou. Boum. Oh non, ça touche pas. Tue-le. Oh, les yeux. Mais c'est une folie, hein. Incroyable. Incroyable. Et du coup, si je rappuie... Ah, ça le détransforme. Oh, avec la séparation et tout. Incroyable. Ouais, so long, ouais. Alors, comment je fais, du coup? C'est quoi la transformation cachée?
Ah, il est incroyable. Il est payant ce mode, bah je le mettrai sur le Discord quand la vidéo sortira. C'est-à-dire samedi, donc si vous voulez la voir avec l'autorisation de Zarsis, hein, parce que c'est aussi Zarsis qui m'a passé le mode. Mais je crois que ça le dérange pas, donc normalement vous l'aurez samedi. Le roi gauche est à déchaîner. Ça, vous faites des bons titres. Hein. Normal. C'est quoi la transo cachée? Bah si, j'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien le savoir, mes amis. Faut faire en fonction de la chance, soit tu passes à Gogeta, soit à Végéto. Mais non! Ah ouais, donc... Ah ouais, c'est... Incroyable! C'est selon la luck, en fait. C'est soit t'as Végéta, soit t'as... Ah, enfin, soit t'as Végéto, soit Gogeta. Ah non! Est-ce que ce serait pas un délire de... Ah merde. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû... Ok, c'est bon. Est-ce que si je le fais en l'air, par exemple, ça passerait pas à Végéto? Eh ouais, d'accord, ok. Le délire... Merde. Le délire, ça doit être si t'es en l'air, tu Végéto. Si t'es au sol, tu Gogeta, je pense. Là, si je le fais, je vais être Végéto. Ouais, c'est ça. Oh, la dinguerie. Yosha! Incroyable! Oh, puis tu peux le transfo du coup? La folie! Oh, la folie! Et la shop classique, il est un peu jaune, mais ça, à la limite, c'est pas grave. Peut-être pour faire un style animé, je sais pas. Je sais pas si je le transforme tout de suite. Il aura peut-être les mêmes combos, donc dans le doute. Voilà! Du coup, ouais, je peux détransfo, on va le savoir tout de suite, on va faire le combo avec carré. Oh là là, oh je sens que ça va être fou. Oh là 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 là. En plus c'est un mode qui est facile à faire. Enfin qui est facile à faire, qui est facile à jouer. Tu sais, t'es pas perdu au niveau, il y a un milliard de transformations, etc. Ça reste simple, mais en même temps c'est incroyablement classe. C'est trop cool hein. Boom. Oh ouais. Ah, c'est pas les mêmes combos? C'est pas les mêmes combos? Mais non! Bah attendez, mais c'est n'importe quoi! Mais c'est n'importe quoi! Il s'arrête plus! Bah ouais, du coup, attendez! Oh! Fou dans les jambes! Ok. Dommage. J'essaie de trouver le combo. Ok, je l'ai trouvé. Ok, sympa. Ah, il est cool, il est cool. Let's go. En plus, c'est tout qui doit bien combo. Si je fais ça, du coup... Oh, ça va être incroyable. Trop stylé. Ah ouais, carrément, Tony. Tony, il a pété un câble. Vous voyez même pas son message. Le bot, il a fait... Non, non, mais on va peut-être pas te mettre ça. Ah non, c'est vraiment classe. Hein. J'aime beaucoup. Hein. Oh là 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 là, les poursuites et tout. Ok. Oui. D'accord, c'est juste il se fait taper. Oh, c'est non. Voilà. Boum boum boum. Allez, prends tes taquets, mon gars. Prends tes coups. N'importe quoi. Ah, oh, c'est trop fort. Hein. Ah ouais, non, c'est vraiment nimp. Ah ouais... Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Non, je joue pas, Dokkan.
Je préfère Gogeta ou Végéto? Bah de base Végéto, mais là, je t'avoue qu'avec les movesets, je préfère peut-être plus Gogeta. Parce qu'il a vraiment des plans incroyables, hein, le Gogeta. Oh, même si celui-là aussi, il est stylé. Hein. Ah ouais, ah ouais. Il s'arrête plus. Il s'arrête plus. Ah, dommage. Ah, c'est classe. Hein. Cette ulti est giga stylée. Ah non, l'ulti, c'est magistral. Hein. Ah non, là, c'est du bon gros DBZ. Pour changer de DBS, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir, on aime bien. On apprécie. Aux Arceus, du coup, c'est bon, hein, y a pas d'autres transos là. Ah, tu peux pas défusionner par contre avec Végéto. Pour le principe de. C'est une fois que t'as fusionné avec les Potara, logiquement. À la base, t'étais pas censé pouvoir défusionner. À la base. Ah, c'est stylé. Hein. Ah, c'est peut-être parce que j'ai pas de ki en fait. Peut-être parce que j'ai pas de ki. Ok, j'ai tout fait, ok. Merde. Wouah, mes cheveux ils brillent. Let's go. Let's go. J'ai tout cassé. Ah, je suis pas considéré en SSJ3 là. Ah oui. Oh, même la fusion c'est classe. Hein. Même la fusion elle est magistrale. Hein. Ah, je peux défusionner, ok, ok. Et du coup, après on peut faire ça. Ah non, c'est une folie. Tchan. Ah bah on va aller tourner la vidéo les gars. On va aller tourner la vidéo. Ça sera pour samedi. Oh c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Est-ce que ça vous dirait pas pour une fois qu'on commence par... je vais tourner la vidéo mais à l'envers en fait. On va d'abord faire les combats. Comme ça, bah nous vu qu'on vient de découvrir le perso, on a envie de le voir en combat, ce que ça donne. Commençons par les combats, je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que... Je sais pas. J'ai un petit mode caché. Tu peux tester, il est insane. Vas-y, envoie-le-moi sur le Discord, on ira le tester après la vidéo. Merci d'être ni mort. Comme ça, vous me dites quel personnage vous voudriez que je teste pour tester le perso. Dites-moi, qui est-ce que vous voudriez que j'affronte? Pour la vidéo, c'est bizarre un peu. Non, mais après, Air Force, la magie du montage. Après, c'est la magie du montage, t'inquiète pas. C'est ce que j'ai la flemme de refaire là maintenant tout de suite la présentation du perso. Là, j'ai envie de me friter avec. Non, mais après, il y a la magie du montage. Hein. Un Buan, j'avoue, Buan. Pour commencer avec Végéto, ça peut être une bonne idée. Let's go. Let's go. Et en map, on va essayer de faire un truc RP, j'avoue. On va faire les deux trucs RP pour commencer. Pas bête. Vous êtes pas bête. Y a pas de map contre Buan, y a ça à la limite, mais c'est pas vraiment ça. Hein. En soi, c'est pas tellement ça. Eh bien, on va partir là-dessus. On va mettre une autre musique parce que ça, c'est copyright. Hein. C'est copyright de fou. On va prendre ça, let's go. En vrai, les persos... Pinnacle of Power Pack, style Végéto Ultra Ego, Goku Migaté, ça doit être relativement sap, mais full mode. C'est style de mode que je surkiffe, genre les modes où on pourrait croire que... Ouais, je crois que j'en ai testé quelques-uns, je crois, Kyuzo de... Pinnacle of Power. Ça me dit quelque chose, en tout cas. Ça me dit un truc. Dans les airs, au pire. J'avoue, dans les airs, comme ça, au moins, on est sûr. Au moins, on est sûr qu'on Végéto. Venez, on prend au-dessus de l'océan, ça peut être sympa. Allez. Allez. Non, mais cette pose, elle me fume. Hein. Cette pose me fume. Allez, on est parti. On va faire les deux premiers combats RP, évidemment. On va tenter... Je vais remettre le HUD, déjà. On va affronter Buan pour commencer. La vie que j'ai... Non, mais déjà, tu sens que le perso est cheat, parce que la vie que t'as, c'est n'importe quoi. Il me faut combien de ki pour fusion, là? Je sais pas combien il me faut. Allez, dégage. Ça, vous pensez que je peux potala direct, là? Ah, ah non. Je peux que SSJ2. Ah non, je peux SSJ3. Bon bah SSJ3 alors. Let's go. SSJ3 du coup. Ça marche, Zarsis. Ça marche, ça marche. Oh mais touche-le!
Ok, il a une armure, toi bien. Je sais pas combien il faut, moi je dirais 5. Je dirais 5. Je sais pas ce que je fais les gars. Olé. Bon alors là, let's go. Il est déjà mort mais c'est pas grave. Ah c'est trop classe. Et tu regagnes ta vie en plus j'ai l'impression. Bon le perso est pété. Le perso est pété. Non. Est-ce que je le touche? Oh les dégâts, juste la chope. Oh. Oh. Ah oh ouais non mais regardez les dégâts. J'aime pas sans me transformer en SSJ. Allez adieu. Boum. Ah oh ouais non c'est n'importe. C'est n'importe. On fera une revanche pour Bouane, hein. On fera une bouane. Une revanche. Non n'importe quoi. Oh là 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 là. Non mais il lui parle en plus. Il se fout de sa gueule, hein. Il se fout de sa gueule. Ah, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de mode Janemba, des trucs comme ça. Un mode Janemba bien fait, ça peut être nimp. Hein. Ça peut être vraiment nimp, hein, un mode Janemba bien fait. Hein. A plus, Cogman. A plus, merci d'être passé. Je crois que je l'ai plus dans mon rooster, mais à l'époque, ouais, il me semble que je l'avais testé. Hein. Allez, let's go cette fois contre Janemba. Pourquoi il crie Ryuken? Ok, on en profite, charge, profite, let's go. Pourquoi il a Potara? Pourquoi il a Potara? J'étais au sol, non! Il fait quoi Janemba? Le pauvre. Il se fait vraiment fumer. Hein. Ouais, mais Dark Janemba, je crois, il est pas extrêmement bien travaillé, je crois. Allez, cette fois, on est parti. Contre Janemba. Y a pas que Bouane qui va se faire botter le cul aujourd'hui. Il y aura aussi Janemba. Et beaucoup d'autres. beaucoup d'autres. Olé. 4 ça suffit? Je pense pas que 4 ça suffit. Hein. Je pense qu'il me faut vraiment... Salaud. Arrête! Ok, on va pouvoir le faire maintenant. Ok. Mais non, mais pourquoi il veut pas? Oh, ça se trouve, ouais, c'est de la luck hein, depuis le début. Hein. En fonction du sol, c'est vraiment de la luck. Bah ouais, c'est ce que j'ai l'impression, parce que là, ça fait deux fois que je suis au sol. Alors tout ne serait que tromperie depuis le début. Moi, j'irai pas n'importe quoi pendant la présentation. On est parti contre Janemba cette fois. Oh là, il se tapait n'importe comment. Oh là! Ok. On va essayer de tenter. On a eu de la chatte pour deux. Pour Bouane. Essayons d'en avoir. On va essayer de se mettre full ki. Peut-être que. Avec le ki, ça va nous aider. Je ne sais pas. Dégage! Ah, mais j'ai pas envie de le tuer en fait. Ok, vas-y. Fusion! Let's go. Bah, alors là, il est foutu. Alors là. Oh là 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 là. Demo Vegeta, Demonai. Attendez quoi? Mais quoi? Il est pété sa mère. Oh non! Oh, il a compris la supercherie. Il a compris la supercherie. Allez, oh le salaud. Tu veux jouer? On va jouer. Ça. Allez, à plus. Salabada. Oh non, j'aurais tellement pu le tuer. C'est scandaleux qu'il lui reste aussi peu. C'est scandaleux. Allez, dégage. C'est scandaleux. Incroyable. Mais il a la garde parfaite. Tout le temps. Il a tout le temps la garde parfaite. Je peux rivaliser contre... Ituyatumika.
Après, faut que j'ai le temps de me transo. Je viens de réaliser, faut que j'ai le temps de me transo en fait. Yo MTS, yo yo, ça va bien et toi? Ah, c'est toi qui lui as ajouté Zarsis. Ah non, ça va, ça passe bien. Franchement, ça passe bien. Mais le problème là contre le Zamasu, c'est qu'il faut que. Faut que j'ai le temps de me transo. Non, j'ai pas testé Dead Minor. Mais après, esquiver à l'infini, c'est pas fun. Parce que ça te coupe tes combos et tout. Regarde, je suis en train de me faire rooster, ça a même pas commencé. Ah, mais là, il va me tuer, là. Il va juste me tuer. Ok, ok, ok. C'est que sur le Gogeta, on est d'accord, hein. Après, j'ai de la vie, hein. En vrai, j'ai de la vie, hein. Je suis sûr, il y a un monde, hein. Il y a un monde où ça passe. Hein. Faut juste tanker sa mère. Je suis sourd à cause de l'explosion. Hein. L'explosion a été super forte. Ouais, non, il y a de la vie. Hein. Franchement, on a de la vie. Il y a juste des attaques, certaines attaques de Zamasu qui one-shot. Je suis sûr que ça passe. J'y crois. J'y crois. Faut juste fusionner, c'est tellement RP. Genre, on peut rien faire, mais dès qu'on est fusion... Allez, j'y crois. Ok, ok. Là, il va aller trop vite. Ouah ! Ah ouais, mais il a une attaque qui one-shot aussi. Il y a une attaque qui one-shot. Il est trop fort. Ou alors, faut la luck et arriver à Gogeta avec peu de ki, mais bonne chance, quoi. Bonne chance. J'ai envie d'y croire. J'ai envie que ça passe. Mais ouais, je peux le faire. Je pense que je peux le faire. Non, j'abandonnerai pas, les gars. On y croit. On y croit. En plus, au début, du coup, vu qu'il me tape un peu, il me donne du ki. Vas-y, Goku! Ok, je le laisse me taper. Ok, maintenant. Let's go! Alors, peut-être. Vas-y! Oh la vache! Il y a trop d'effets! Goku, démo de Vegeta, démonai! J'étais pas prêt! Mais j'étais pas prêt, il venait tout juste de finir l'animation! Bon, c'est possible, c'est large possible. C'est large. Il m'a one shot. Je suis sûr que c'est possible. Bon, je réessaye, hein, mais la clim instantanée. Mais en même temps, il ulti. Comme par hasard, il ulti au meilleur moment. À la seule frame où je peux pas perfect block. Salaud. Oh, c'était son attaque ultime. Aïe. Aïe. Ok, j'y crois. Ok, nickel. Non, mais laisse-moi tranquille. Vous vous rendez compte comment ma caméra, elle est buggée? Je pouvais le faire, mais en fait, du coup, vu que je sais que j'ai pas besoin d'être au sol ou quoi, avec le Beerus Akai... Après, le Beerus Akai, c'est pas la même. Là, je me dis... Après, parce qu'il a énormément de PV, mais il en a pas en illimité, je crois. Hein. Tu peux le tuer, en soi. Ça prendra un temps fou. Mais tu peux le tuer, je pense. Hein. Je parais, hein, mais... Non, il est trop fort. Je parais beaucoup. Il m'a juste foncé dedans et je suis mort. Il m'a empoisonné. En plus, Goku, il fait trop le mec, là. Assis comme ça, en mode... Il se fait fumer comme ça. Non, c'est pas tolérable, hein. C'est pas tolérable, hein. Non, mais attends, il a combien d'attaques, il one-shot? À chaque réessai, il fait une autre attaque, il one-shot. T'as des attaques qui ne one-shot pas, sinon, ou t'es juste complètement pété? Ah non, mais c'est RP pour le perso, hein. C'est... Dans l'arc futur, il fait ça, hein. Une attaque, tout le monde est au sol, hein. Je peux jouer, sinon? C'est n'importe quoi.
La vidéo qui tourne mal. Arrête! Oh! Ah ouais, mais ça, t'es, ça végéto! Le chat. Oh la vache! Merde! Ah, mais télépée toi! Putain! Ça arrête jamais! Oh la vache! Moi oh, j'ai tellement plus de vie! Ouais, mes oreilles, moi aussi je saigne là. Oh, il se régène! Il se régène, let's go! La régène! Tu veux jouer maintenant? Oh la vache! Un salaud! Oh, il est trop fort! Il est trop fort! C'est impossible! Il est trop fort, sa mère! Bon, bah, j'aurais essayé, mais. Bon, c'était le petit bonus du live. Aïe aïe aïe! Je mettrai une séquence où je me fais rouler dessus, et puis voilà. Non, ça ne suffit quand même pas pour Zamasu. Hein. Ah, je suis sourd. Allez, qu'est-ce qu'on fait comme combat, les gars? Dites-moi, dites-moi. Ouais, non, en fait, il peut me stamina break aussi, donc. Il a une attaque qui stamina break, c'est terminé. Contre Beerus? Ah oui, par contre, Beerus, oui, il peut largement le battre, je pense. Beerus, si on évite le Hakai, ouais, il peut largement le battre. Testons ça. Il est où, Beerus? Il est là. Bah, chez Beerus, du coup. Bah, c'est le Beerus in shape, ouais. Ok, on est parti sur un objectif un petit peu plus réalisable. Le Beerus Hakai. S'il nous Hakai pas, je pense que c'est largement faisable. Ah mais il n'y a pas de sol, on va même pas pouvoir Gogeta, c'est pas grave. On le fait avec Végéto. Végéto est très fort. C'est faisable, franchement c'est faisable. On va quand même essayer de Gogeta, hein, mais j'y crois pas trop du coup. Aïe. On a beaucoup de vie, hein. Franchement avec toute la vie qu'on a. C'est faisable. Vous savez quoi, je vais tenter un truc. Let's go. Oh, on fait mal, hein. S'il se transforme pas, on est bien. Boum. Allez, charge mon gars, charge, 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 charge. Oh, let's go. Bon, bah, c'est win, hein. À part si nous Hakai. Perfect block le Hakai. Bah, c'est une shop, donc je crois qu'on peut pas. Oh, il se transforme aussi. Il s'est transforme aussi. Goku, Demo, Vegeta, Demonai. Allez, viens jouer, mon ref. Ok, 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 ok. Oh, let's go, ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Oh, boum, 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 boum. Mais regardez-moi les dégâts. Oh ouais, non, c'est fort. Oh, il l'a contré. Bah alors. Ah non. Ok, c'est bon. Tout va bien. Oh là 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 là. Bon bah à plus hein. Oh je l'ai raté. Enfin quelqu'un qui a tué Beerus. Enfin. C'est pas trop tôt hein. Tu lèves jusqu'à quelle heure? Je sais pas, je pense pas que le stream va durer très 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 longtemps. Enfin on a tué Beerus. Incroyable. Ah non vraiment il est trop trop cool hein. Franchement. Non mais c'est cool, c'est RP pour le perso en fait. C'est juste ultra RP. C'est cool. J'aime beaucoup. Zamasu Gatai. Ah c'est dommage, je l'ai pas pris Gatai Zamasu, j'avoue. Je l'ai pas installé.
Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait être sympa à tester? Du Jiren Transfo. J'ai Gatai Zamasu, mais classique. Après, je crois qu'il n'y a rien de très très très... Bah, Black Freezer, Black Cooler. Dites-moi. Baby vs Broly, mais les gars, on teste le Goku qu'on joue depuis tout à l'heure. Me proposez pas autre chose. Yo Gogegra, j'espère que tu vas bien. Zeno, je l'ai pas non plus, je crois, les gars. Je l'ai pas mis. Merci pour le follow, Erwin le doyen. Bienvenue à toi. VS Gamma 2. Potato ou Betera? En vrai, ouais, pourquoi pas, let's go. Betera ou Potato? Dites-moi, vous préférez quoi, vous? Potato ou Betera? Je crois qu'il a pas de 7. Ah si, il a celui-là. Vous voulez qu'on affronte lequel? Ah, Beast Gohan, ouais. On fera aussi contre Beast Gohan, ça peut être fun. A plus, Nono, à plus. Potato, ouais, je vois beaucoup de potato. Let's go, potato! Alors, j'espère juste qu'il est pas cassé, le potato. Normalement, non, mais... J'espère qu'il est pas cassé. On va le fronter, on va l'affronter ici, allez. Why not? Giblette, ah, giblette en vrai, ouais, pourquoi pas. Je note. Ok, on affronte maintenant Potato, voir est-ce qu'il s'en sort face à un des plus puissants guerriers de tout l'univers. Oui. Potato? Potato? Il triche! Triche, monsieur, triche! Bon. On a rien vu. On a rien vu. Cette fois, on affronte Potato, un des plus puissants guerriers de l'univers. On va voir ce que ça donne contre lui. Il se moque de moi en plus! Il se moque de moi! Oh! Ring out, hein, t'as perdu, hein. Aïe. Ring out. Et tu sais quoi? Je vais même pas fusionner, mon gars. Même pas fusionner. Ouais, Goku, il est obligé d'être en Super Saiyan pour rivaliser contre Potato non transfo. Bon, par contre, j'ai beaucoup. Ah! Ah oui! Ah oui, bon, bah, si tu veux y aller comme ça. Si tu veux y aller comme ça, mon gars. Je rivaliserai pas, mais... On peut y aller aussi. Oh la vache! Mais calme-toi! Heureusement qu'il a pas mis le masque. Qu'est-ce qu'il fait? Je comprends pas. Il fait des moves trop hasardeux. Ok. Il fait des moves giga hasardeux. Oh, dommage. Salaud. Il esquive rien du tout, Potato. Ouais, non, mais il se fait full détruire. Hein. Il se fait full détruire. Non, pas encore. Mais non, mais tu es cassé quand tu fais ça, Potato. Bon, Potato, mauvaise idée. Hein. Mauvaise idée, Potato. Hein. Elle m'appelle pique les yeux, c'est vrai qu'elle brille. Elle brille un peu. Bon, Potato. C'est un fail. On passe à Betera. Betera Ultra Ego, au moins lui je suis sûr qu'il marche. Let's go. C'est une flashbang en continu à ce point, c'était si brillant que ça. Moi sur mon écran ça brillait mais quand même. Ouais, on fera Black Cooler, de toute façon, on fera Black Cooler. Black Cooler j'aime bien, il est cool. Allez, let's go contre Betera, voir ce que ça donne contre un perso cac qui est vraiment pas mal du tout en plus au niveau des dégâts. Il peut vite détruire Goku. On va essayer de pas se transfo. Le chat qui s'amuse toujours autant.
Hop, j'espère que vous êtes pas aveugle. Oh, son explosion d'aura, elle est incroyable. Hein. C'est tout ? Ah oui, ah oui, ah oui, d'accord. Vous savez quoi, je vais tenter... en végétaux. Contre un ultra ego, ça rivalise, non ? Végétaux contre un ultra ego. Moi, je pense que ça rivalise. Ah, il a pas d'aura, le con. Il a pas d'aura, le con. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, il fait une fission destructrice ! Haha ! Aïe ! Elle a explosé. Recule. Ok. Non. Oh, salaud. C'est stylé parce que, en plus, l'explosion, normalement, elle fonctionne, mais pas là. Allez. Non, mais ce combo, je l'adore. L'ulti est incroyable. J'espère qu'on peut l'acheter dans la boutique. Hein. Boum. Hey, tank, Betera, il tank. Hein. Il tank, le salaud. Non. Oh, non. Aïe, 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 aïe. Bon, en vrai, je... Ouais, non, je tank de fou, hein. Vraiment, là, on le voit, Betera qui est censé être super, supra fort, en fait. Il tank, hein. Il tank quand même vachement bien. Oh oui, puis j'ai une armure. Ah ouais, non, mais il a une super armure, Végéto, en plus, lui. Oh ouais, non, mais c'est abusé. Il est beaucoup trop fort. Il est trop fort. Ah, du coup, j'ai juste à faire ça, en fait. Boum. Ah, encore une fois. J'ai dit encore une fois. Est-ce que je me TP quand je charge? Oh, le salaud. Oh, oh, c'est nimp. Il veut pas mourir. Tu meurs un jour ou... Le salaud. Oh, ça me touche. Bon, bref. Eh hey. Lui aussi, il a de l'armure. Oh, on arrive dans, un, dans une phase de Xenoverse de modé où tous les persos ont de l'armure ou quoi. C'est n'importe quoi. Hein. Bon, je crois qu'en vrai, on aura fait un peu le tour. Hein. On aura fait un peu le tour de... du personnage. Il est broken. Hein. Franchement, il est broken. À partir du moment où tu fusionnes, même Goku, Transo, il fait quand même pas mal de dégâts, mais dès que tu fusionnes, soit ça de l'armure, soit tu fais des perfect blocks à l'infini. Avec des animations complètement stylées. Donc, que demander de plus? Que demander de plus? En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pur kiff. Franchement, perso trop trop cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine pour un autre stream, une nouvelle vidéo. Et voilà, profitez bien. Des gros bazous. Bye bye! Voilà, ça c'était l'outro de la vidéo. Maintenant on peut tester un petit peu tout et n'importe quoi. Faudra juste pas oublier de faire la présentation du perso. Black Cooler. Black Cooler, Black Cooler. Tu fais l'outro mais pas l'intro. La, on la fera après la présentation du perso où je dis bonjour et tout. On la fera après. Ouais, c'est peut-être le seul inconvénient du mode. C'est peut-être le seul inconvénient, c'est qu'il... Yo à tous ceux qui arrivent, les gars. Yo, merci pour les follow. J'espère que vous allez bien. Oh, il golem direct. Le seul problème, ouais, c'est peut-être que les techniques ne changent pas selon la transfo ou la fusion, etc. C'est un peu dommage. Mais bon, après, si c'est que ça... Aïe. Mais là, même Golden, il... Enfin... À quel moment il nous tue, en fait, hein. Aïe.
Oh, bon, non, mais... En fait, j'avais oublié que c'était couleur, hein, et qu'il faisait bien, bien mal. J'avais un petit peu oublié. Ah, ce serait stylé, Air Force. Ce serait stylé de fou. Ah, il multi aussi, direct. Eh bien, j'en ai rien à faire. C'est trop fort. C'est juste trop fort. Non mais à quel moment? À quel moment il peut faire quelque chose? Il a juste le temps de rien. Ah c'est un peu long! Il se fait allumer hein. Il se fait déchirer. Tu veux me faire un live où tu combats tes abos? Ouais ça fait longtemps qu'on en a pas fait, en vrai ça peut être cool un jour de faire ça. Ça peut être cool, je le fais de temps en temps en off avec les gens qui traînent sur les vocales Discord du serveur. Des fois je me ramène et on se fait des fights. Mais ouais, ça peut être cool. Ah non, Gogeta... Ah oui, Gohan Beast. On m'avait demandé contre Gohan Beast. Vous savez quoi, on va faire l'inverse. Je vais jouer Gohan Beast et on va affronter le Goku. On va faire ça, ça peut être drôle. S'il y a du PVP, je suis là. Ça m'arrange pas, mais d'accord. Ça m'arrange pas, mais d'accord. Ce serait chaud de venir. Bah ouais, carrément, les gars. Après, ça sera surtout sur PC, je pense. Mais ouais, pourquoi pas de faire des petites sessions PVP, ça peut être fun. En vrai, les gars, je suis pas très fort. Je suis vraiment pas très fort. Je maîtrise à peu près un perso et puis c'est tout. Et encore, je suis très nul. Alors. Ouais, non, je suis tellement dans la merde. Je pense le faire quand? Je sais pas, mec, je sais pas. Ça peut être la semaine prochaine, mais faut que j'arrive à l'organiser, quoi. J'ai l'impression, par contre, dans mon jeu, ça a mis un truc... maintenant, tous les persos disent Ryuken quand je fais le triangle carré, c'est terrible. Olé ! Oh, c'était magnifique. Tant qu'il fusionne pas, j'ai rien à craindre. Vous avez vu ? Non mais c'est terrible. Je sais pas si c'est lui ou si c'est moi mais... C'est relou un peu. C'est relou un peu. You can... Ah, j'ai déjà fait mon limit burst. Oh le con. Ah et lui ça là c'est lui qui le fait. Oh la vie. Ah oui. Ah oui. Ah oui. D'accord, donc c'est ça d'affronter ce Goku, d'accord. Ah ouais. Bah c'est fun, hein. Bah j'aime bien. Bon allez, testons un peu tout et n'importe quoi, là j'ai envie de me faire plaisir. Non, faisons l'intro et après on fait un peu tout et n'importe quoi. Puis il y a Azarsis aussi qui m'a donné d'autres modes, donc peut-être qu'on testera en même temps. Goku boss de raid, clairement. Il a même pas transfo, il m'a tout cassé. J'ai raté un truc, t'inquiète, je vais faire la vidéo, donc tu vas pouvoir voir ce que t'as raté. Tu vas pouvoir voir. Allez, je commence, je vais un petit peu vous ignorer là pour l'intro, etc, etc. Mais bon, vous comprenez, c'est pour les vidéos. On est parti. Et yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Dragon Ball Xenoverse 2, modé. Et aujourd'hui, on va tester un personnage qui ne rigole pas, vous le voyez, déjà il est assis, il fait rien comme tout le monde, il est assis, et il te regarde en mode, viens te battre, t'es mort. C'est un Goku, et vous l'avez vu dans la miniature, qui fusionne en Gogeta, mais pas que. Peut-être que vous l'avez vu dans l'intro, la miniature, je sais pas. Voilà, vous l'avez peut-être vu, mais c'est juste pépite. Vraiment, mode masterclass. Donc, mettez votre petit pouce bleu d'avance, ou alors, attendez d'être convaincu par le mode, mais vous allez l'être. Pour mettre votre petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ne perdons pas plus de temps, allons tester cette masterclass. Elle est bien mon intro? Ou j'ai oublié de dire un truc? La froid potato. Mais c'est quand on avait essayé de faire un truc, mais... En fait, là, il se transforme en SSJ4, le potato, mais...
Je sais pas. Je sais pas. Qui c'est qui va servir de punching ball pour l'entraînement? Qui va servir de punching ball pour l'entraînement? Je sais pas. Janemba, on l'affronte dans les combats. Vous voulez que je remette Janemba pour qu'il se fasse détruire? Si vous voulez, hein, je mets Janemba. Hit, Bouane Bardock. Oh, vas-y. Chalette. Chalette, ça peut titiller. Les joueurs console, bah ça sera surtout sur PC, je pense. Après, c'est chiant de switch entre les consoles, donc je ferai un live PC et peut-être plus tard un live console, mais... Ce qui me saoule sur console, c'est que j'ai pas tous les persos. Dont Gamma 2 que j'aime bien jouer. Je prends Bouane. Ah ouais, non mais attendez. Vous m'en demandez beaucoup là. Frigid Emba. Allez, je pars sur Chalette. Mais c'était allé. Je pars sur Chalette, le pauvre, il se fait détruire à H24. Alors, on va tenter là-bas. Pour changer. Ah, je vais juste changer de musique. La musique, on l'a depuis tout à l'heure. Bon, après eux, ça va pas les choquer, mais moi ça me saoule. De toute façon, la seule console où je ferai jamais de trucs avec vous, c'est sur Xbox, parce que bah, j'en ai pas. J'ai pas de Xbox, donc voilà. Tiakimika! Tiakimika! Alors faut faire tout attaché les gars si vous voulez le planning. Tout attaché. Voilà. Je l'ai bien fait hein. Avouez je l'ai bien fait. Tiens, Kimika. Je l'ai raté lui. Avouez je l'ai bien fait. Un sub si je l'ai bien fait. Bizarrement je vais l'avoir très mal fait. Hein. Bizarrement. Pas d'argent, merde. Vous avez même pas un Prime? Vous avez pas un petit Amazon Prime là? En plus, on est à 12 sur 15. Je rappelle qu'à 15, on ouvre une display Dragon Ball Card Game. Ça va être incroyable ça, hein. L'ouverture de display. Je sais pas pourquoi je suis trop hype. Ok, let's go. Et on est parti pour tester ce petit Goku. J'ai pris une map qu'on voit pas souvent, parce qu'avec l'eau et tout, c'est pas pratique. Et du coup, là, on va pouvoir bien en profiter en entraînement. Commençons par les attaques, parce que les attaques, de base en tout cas, sont très classiques. On a charge maximum, le canon Kiko, un Kamehameha et un crash du météore. Donc, très 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 classique, mais c'est pas avec ça que le perso brille. Vraiment pas. Tout d'abord, on a trois transformations pour ce Goku. On a... le Super Saiyan 1. J'ai enlevé ma cam. Vous savez quoi? Je vais enlever ma cam. Super Saiyajin 1. Le Super Saiyan 2. Et le Super Saiyan 3. Valinox. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va bien. Et on va pouvoir tester comme ça, parce que chaque transformation n'a pas de moveset différent, c'est le même moveset, mais vous allez voir qu'il est incroyable. Commençons par le combo full carré, et vous allez tout de suite comprendre la dinguerie, vous allez tout de suite comprendre full carré. Oh là 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 là. Oh la pépite, boum. Un petit Ryuken à la fin, plus la posture, non mais... C'est quand même n'importe quoi. Et vraiment, les combos du Goku, c'est... C'est peut-être les moins intéressants de tout le personnage. Vous allez voir, c'est... Je vous spoil pas. Combo avec triangle. Full triangle. Qui est sympa aussi, en vrai. Il est cool. Puis après, on a d'autres combos. Assez classiques. Ah oui, celui-là, il est incroyable. Alors lui... Boum. Trop cool. L'envoie au loin comme ça avec le petit Kiko à la fin. Et plus les arrêts sur image sur les gros coups qu'il fait, j'adore. C'est moi, il a lâché Dragon Fist. Ouais, il a changé de langue entre temps.
Tu sais pas trop pourquoi. Alors là, je me suis foiré, je crois. Attendez. Je crois que je me suis planté. Voilà. Boum. Oh, la folie. Non, il est trop cool. Il est trop cool. Et en plus, il a des petits ultis sympas. Il a le Dragon Fist, évidemment, parce que dans les combos, il n'y en avait pas assez. Il n'y avait pas assez. Pauvre Chalette qui prend tarif aujourd'hui. Mais alors, par contre, on va le redresser un peu. Cette ulti, je suis amoureux de cette ulti, regardez ça. Oh là là là, il est juste... Ah ouais, non, il est juste trop bien. Ah, j'adore. J'adore l'ulti, il est magnifique. Il est beaucoup trop bien. Hop là. Passons aux choses sérieuses. On a pu voir qu'il y avait un SSJ1, SSJ2, SSJ3... Mais c'est loin d'être fini. On a aussi... La fusion, mon gars. Oh là, puis quelle fusion. Oh là là là. Il brise les limites. Et il est magnifique. Ah non, vraiment, ils l'ont bien fait. En plus, il y a l'auréole et tout. Ah, c'est une dinguerie. C'est pépite. Et maintenant, vous allez comprendre la puissance du perso. Regardez-moi ça. Mais... Oh, puis les plans de caméra. Oh. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus, en fait? Et il est mort. Incroyable, c'est trop cool d'avoir du Dragon Ball Z parce qu'il y a énormément de DBS. Je crois qu'on n'a jamais testé de Gogeta Dragon Ball Z. Mais alors lui, il est... En plus, il est Dragon Ball Z, mais il est incroyable. Franchement, il est fou, il est incroyable. On va mettre des PV illimités à notre ami parce que sinon, il va pas faire long feu. Et on est reparti. Salut. Attention, tu vas tomber. Remets-toi bien, tu vas tomber. Allez, full triangle. Ah, full triangle aussi, c'est quelque chose. C'est un combo. Je rappelle, c'est un combo. C'est juste un combo. Boum, il explose. C'est n'importe quoi. Il fait exploser son adversaire. Ah non, j'adore. Vraiment, j'adore. Oh, le pauvre Chalette. Allez, purification, mon gars. Boum. Oh, la tête qui fait. Oh oh. Oh oh. Problème. Oh, c'est n'importe quoi. Boum. Y'a rien qui va. C'est n'importe quoi. Ça va, Chalette? Tout va bien? c'est qu'un cauchemar, ça va aller. Ah oui. On peut faire... Ça s'arrête pas, hein. Tant qu'il fait pas d'évasion ou quoi, ça s'arrête pas. J'envoie littéralement des châtiments spirituels avec les doigts. J'envoie juste des châtiments spirituels avec les doigts. C'est n'importe quoi. Et ça fait super mal quand même, hein. Oh là là là, j'adore. Franchement, j'adore. Oh, nickel, il revient. Ah oui, d'accord, puis après derrière tu peux refaire ça, d'accord, ok. Trop cool. Et évidemment, du coup, il a relais technique ultime, donc il a ce magnifique ulti. Ah, vraiment, ça passe sur tous les persos, ça. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Et là, on pourrait s'arrêter là, encore une fois. Encore une fois, je le dis souvent sur ces modes qui sont complètement débiles. On pourrait s'arrêter là. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que tout simplement... Merde, on recommence. Parce que tout simplement, il pop Otara aussi. Bah oui, parce que ça suffit pas. Ça suffit pas d'avoir Gogeta, il nous faut aussi Vegito.
Vegito, et pas n'importe quel Vegito. Voilà. Super Vegito. Incroyable. Et on va le tester d'abord en normal. Petit fail, hein. J'ai un peu fail. Parce que, bizarrement, tu sais pas pourquoi, Vegito en forme de base, il a pas les mêmes movesets que celui transfo. Donc c'est cool, mais je sais pas pourquoi il a fait ça. Alors que pour les Goku, il l'a pas fait. Bon, écoute, hein. Oh là 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 là. Bon, je vous montre tous les combos d'un coup, hein. On va pas se faire chier. Je vous les montre tous d'un coup. Trop cool. Vraiment trop trop cool. Oh. Et du coup, tous les persos ont Dragon Fist, hein. Ils l'ont tous, hein. Incroyable. Non, vraiment, c'est trop bien, j'adore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais... franchement, évidemment, il est pas aussi incroyable au niveau des combos que le Gogeta avec le moveset qui reproduit exactement le film Broly. Mais au moins, celui-là, il est jouable, et en plus, il est beau. Il est jouable et beau, alors que l'autre, bah, vraiment, c'était... c'était vraiment pour le pur style, hein. L'autre Gogeta que je vous avais présenté, je le joue très très peu parce que... bah, au bout d'un moment, ça devient long d'attendre la fin du combo. Alors que lui... Oh là 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 là. Il s'arrête pas, hein. Il s'arrête pas, c'est n'importe quoi. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. J'adore. Est-ce qu'il s'était pris au Kamehameha? Ouais, il s'était pris peut-être au Kamehameha, trop cool. Trop cool. Ok. Comme d'habitude. Boum. Non, j'adore. Franchement, lui, je vais le réutiliser beaucoup de fois parce que... bah déjà, vous allez voir qu'il est pété, on va aller le tester en combat tout de suite. Il est vraiment broken. Mais en plus de ça, il est trop beau. Il est vraiment trop beau, tu peux vraiment détransfo. Voilà, là on a défusionné avec les potas là. Mais tu peux réenchaîner, tu peux te transfo. C'est pas ce que je voulais faire, mais voilà, on peut se retransfo. On peut aller direct au SSJ3. Mais on peut encore une fois se détransfo. Et pourquoi pas fusionner avec la danse métamol. C'est trop bien. J'adore. Et c'est simple en fait, c'est simple à faire. Parce que pour fusionner en fait, si on a un peu de ki, on se met en végéto. Et faut être en l'air. Et il suffit d'appuyer deux fois sur la touche de transformation. Si on appuie qu'une fois, ça se met en SSJ. SSJ 2, SSJ 3. Et si on a beaucoup de ki et qu'on est au sol, et bah ça Gogeta. C'est trop bien, franchement c'est trop bien. Donc on va aller tester ça en combat. Je sens que ça va être n'importe quoi. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, tout simplement. Mais giga hype en ce perso. Giga hype. Hop, t'es en vidéo YouTube là? Ouais. Et je viens de la terminer parce qu'on avait fait à l'envers. Voilà, c'est bon, on est entre nous. J'ai fait ma vidéo de samedi. Je vais juste redémarrer le jeu parce qu'on m'a envoyé des mods. Je sais pas si on les testera tous aujourd'hui. Mais on m'en a envoyé, donc on va aller voir ça. Monsieur, j'attaque l'ulti-cisé pour Potato. Bah peut-être pas forcément pour Potato, mais ouais, je le veux bien. Parce qu'il est quand même incroyable. Oh, le jeu d'acteur, t'as déjà tourné les combats. Eh ouais, mon gars. Eh ouais. L'acteur, mon gars. Alors, qu'est-ce qu'il nous a envoyé? Il nous a envoyé un Gogeta, un autre truc, je sais pas ce que c'est, mais la dernière fois qu'il m'a envoyé ça, ça marchait pas. Ok, bah je vais pas prendre celui-là parce que je sais pas pourquoi, moi quand il m'envoie des trucs comme ça, moi ça marche pas. Ou en tout cas, ils sont à moitié cassés. Donc on va prendre le Gogeta Xeno et le Gogeta. Ça va être sympa. Hop. Je cherche ça, je l'installe et on y va. Hop. Hop.
Alors, il y a un Gogito, c'est celui-là. Install to new slot. Oh, le nombre d'attaques. Oh, j'ai peur, les gars. Oh, il a mis un temps fou à s'installer. J'ai très peur. J'ai très, très, très peur. Yo, Xenon, comment il va? Et on va installer Gogito. Non, après, c'est Gogeta. C'est celui-là. Ah, lui, il en a un petit peu moins. Ah, c'est du Eggs. Souvent, Eggs, il rigole pas. Hein. Je crois que de toute façon, Eggs, c'est celui qui a fait le Goku qu'on vient de faire. Oh, ça va être sympa. Oh, ça va être sympa, j'aime bien. Ah, d'ailleurs, attendez. En même temps, en tant qu'à faire, je vais réinstaller le Zamasu qui se transforme en Gatai Zamasu corrompu. Il marche dans mon jeu. Ouais, bah, je l'installerai plus tard. Là, je suis parti pour tester les autres. Mais au moins, tu me l'as envoyé, je l'ai. Je n'oublie pas, je n'oublie pas. Fuse de Zamasu. Voilà. Comme ça, j'ai mon Gatai Zamasu corrompu. Nickel, on est retipar. C'est presque 40, mais non. Genre, vous êtes autant depuis tout à l'heure. Ah ouais, bah heureusement que je regarde pas. Hein. Moi, vous m'intimidez quand vous êtes beaucoup. Je suis pas habitué. Pourquoi c'est cassé? C'est cassé. J'ai des problèmes. Parce que... C'est bon. Non, mais je veux pas démarrer tout de même. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est. Tout va bien. Tout va bien. C'était cassé. Oh là là. Tu m'as pas répondu, désolé, vous êtes beaucoup les gars. Merci beaucoup d'être autant, mais je ne peux pas tous vous lire du coup. Oh shit. Here we go again. Je sais pas si vous. Sans spam non plus, mais si vous voyez pas qu'au bout de 2-3 minutes j'ai pas répondu à votre question, reposez-la. Reposez-la. Pourquoi vous voulez mettre des musiques cheloues là? Prochain mode c'est 17, c'est 18, ça serait incroyable. Hein. Moi les persos tag c'est ce que j'aime le plus. Hein. Avec le perso qu'on vient de tester aussi. C'est vraiment le genre de mode que j'aime le plus. On se testait Gokan aujourd'hui, peut-être, ouais, peut-être pas de fond en comble, mais. Alors ça c'est le Zamasu. Pour ceux qui l'ont jamais vu, regardez. Ça c'est un mode très très très. Genre c'est vraiment très. C'est un des premiers modes que t'installes quand tu modes le jeu. Mais regardez-moi la qualité du mode, c'est tellement ouf. Enfin t'as l'impression que c'est officiel. J'adore. C'est le mode New Transformation qui te donne des persos comme ça. Regardez-moi ça. Trunks. Alors Light of Justice. Pourquoi ça marche pas ma Light of Justice? Pourquoi je peux pas Light of Justice? Laisse-moi Light of Justice. Pourquoi peut pas? Oh l'autre il marche. Carrément il marche, regardez-moi ça. Oh là 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 là, voilà, c'est ça qu'on veut. Trunks. Ah oh, j'adore. Mais non, fallait mettre la ville du futur, j'avoue, je suis trop con sa mère. Je suis trop con sa mère. Est-ce que je peux? Oh. Du coup, il est déjà transfo? Oui, votre PayPal. Ah, terrible. Oh là là, il est incroyable, j'adore. Boom, boom. Ah, bien joué, Trunks. Oh là 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 là. Ah, dommage, ça passe pas. Oh la folie, mais il est pas incroyable. J'adore. Et il a une autre version. Ah non, j'ai pas de transfo du coup vu que je suis comme ça, d'accord. Elle est où ma Light of Justice? Pourquoi je peux pas Light of Justice là? Vous m'expliquez? Pourquoi je peux pas Light of Justice?
Laissez-moi Light of Justice. Pourquoi? Non. Il y a un installeur, il y a quoi? Pourquoi je peux pas Light of Justice? C'est terrible ça. On m'explique pourquoi je peux pas? Faut que ta santé soit basse. Vraiment? Ah ouais, d'accord, ok. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop... Oh là 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 là. Le monstre. Ça, c'est un mode ultra classique que la plupart du temps, c'est un des premiers modes que t'installes. Incroyable. Et du coup, t'as le moveset du Gatai corrompu, hein. C'est une folie. Hein. Oh là 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 là. Il est mort. Ah oui, il fait tant de dégâts que ça, le... Oh ouais, non, j'adore. J'adore. Incroyable. Seinalugekin. Oh, les 40 viewers, let's go, let's go, let's go. Merci, les gars, vous êtes des monstres. Vous êtes des monstres. Pourquoi le mur des mottes est pas du tout là où il devrait être? Attendez. C'est bon. Spammer les GG, ça arrivera sur ma gueule. Oh là 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 là. La santé est en danger. Ah bah oui, c'est vrai. Oh là 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 là. C'est une folie. Hein. Il est trop classe. Merde, j'ai fait une photo en recliquant sur le jeu. Oh non, mais c'est une folie. Hein. Il est trop beau. Boum. Incroyable. Merci beaucoup, les gars. N'hésitez pas à follow si c'est pas déjà fait. Et si vous êtes généreux et vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à laisser le petit sub. Hein. Ça soutient toujours. Et puis... ça permet de financer la display Dragon Ball Card Game. Littéralement. Voilà, c'était juste le... Voilà, je voulais vous montrer les persos que... C'est des persos que j'aime beaucoup. Paye pas de mine, mais leur transformation est tellement bien. Voilà. Ok. Alors, il y a un Gogeta, mais ça a l'air aussi d'être Végéto au vu du portrait. Lequel on teste? Oh, je serais bien tenté de tester celui-là, là. Moi, quand il y a des trucs écrits en chinois, japonais, tout ce que vous voulez, moi, ça m'attire, moi. Ah, c'est Gogeta, lui. Il n'y a pas les Potala, pourtant. C'est Gogeta, lui. Ou lui, c'est Gogeta. Je sais pas. Je sais pas. Non, lui, c'est Gogeta. Je sais pas. Franchement, je sais pas, les gars. Ah d'accord. Bon, testons celui-là. Ok. Tu... Laisse-moi tranquille sinon. Oh la voix, ça fait peur. Hein. Ça résonne. Vous avez jamais vu le... Pour moi, c'est vraiment un mème. Hein. Vous avez jamais vu Migate contre Guan Beast? Vous avez jamais fait le Migate contre Guan Beast? Oh, ah, par contre, ça a l'air stylé de fou. Attendez, si vous avez jamais vu Migate contre Guan Beast, faut que je vous montre. Je suis désolé, je fais du suspense, mais moi, ça me fait trop rire. Hein. Ça me fait trop rire, Migate contre Guan Beast. Hein. Déjà, vous avez vu la voix de Migate dans le jeu. Alors contre Gohan Beast, tu sais pas pourquoi ils sont chiés dessus au niveau du son. Regardez ça. Écoutez. Hein. Ben Inox, laisse les gens tranquilles. Oh non, ils l'ont enlevé. Oh, je suis trop triste, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, pourquoi il n'y a plus rien? Je suis trop triste. Attendez. Pourquoi il parle plus Gohan Beast là? Eh oh! Ah, faut prendre Gohan en premier? Ok. Attendez, moi je veux mon. C'est quand même débile. Hein. Enfin, je vois hype pour un truc et il se passe rien. Faut prendre Gohan, je suis trop con. Je pensais que ça marchait avec Goku. Écoutez bien. Bah non, regardez, ça marche pas.
Eh, hey, pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu parles pas? Il parle plus, il a plus envie. Imagine, ça a été patché. J'ai trop le seum. Si j'en prends un au pif, il se passe quoi? Si je prends un autre Goku. Essaye en combat. Ah, tu penses? Peut-être, ouais. On va tester, j'avoue. T'as pas envie de parler, Goku? Ah, il a pas envie, hein. Comme par hasard, hein. C'est vraiment le... J'ai vraiment pas de luck, hein. Je veux vous montrer un truc et il parle pas. Comme par hasard. Mais oui, Kyuzo, je le veux. Allez là, c'est bon. Oh, s'il y a pas, c'est qu'ils l'ont patché. Yo à tous ceux qui arrivent. Yo yo yo. Bon bah, ils ont plus envie de parler. C'est terrible. C'est terrible. Avant, ça marchait. Bon, du coup, pour ceux qui savaient pas, en gros, Goku, il parle, mais genre, c'est supra fort et tu sais pas pourquoi. Je viens d'essayer de mon côté et ça fonctionne. Bah, c'est moi, j'ai dû faire une bêtise. J'ai dû faire une bêtise, comme d'habitude. Ça fait à peu près ça, en vrai. Mais en beaucoup plus fort. Oh, c'est peut-être les modes qui ont dû casser un truc. Hein. On va chercher à comprendre. Entre une vidéo, bon, vous allez regarder vous-même. Hein. Mettez Xenoverse 2, Gohan Beast vs Goku MUI, vous avez trouvé. J'avais pris cette map. Let's go. Casser mon jeu. Mais oui, mais de toute façon, mon jeu, il est full buggé, là. Je voulais une fusion Potala pour Betera et Potato, et ça marche pas. Il se passe rien quand je la fais. Allez, je suis prêt. J'espère ne pas être déçu. Moi, pour savoir si un mode est vraiment broken ou pas, j'appuie juste sur carré. Et après, je décide. Let's go. Ça commence mal. Ça commence mal. Ok, ça a l'air d'être des combos assez courts. Ok, ça combo classique. Transfo-toi. Ah, il y a une transfo. Mais les ultis, faut pas que je les fasse. Dans les attaques et tout. Allez, hop, on quitte. T'imagines? Ah, c'est des trucs classiques. Oh! Switch! Vegito da! Ça, c'est quoi ce Vegito là? J'ai cru qu'il avait les yeux rouges, mais non. Ça va, pas trop rapide les attaques. Ok, c'est combo classique. Combo classique, mais beaucoup plus rapide. Ok. Switch. Du coup, transfo. J'ai eu un succès. Je sais pas pourquoi j'ai eu un succès, mais j'ai eu un succès. Ok, même combo. Même attaque. Ok. Ok. c'est la guerre dans le chat. J'y vais. Oh, j'ai fait mon move là. Hein? Quoi? Ah,
Non mais j'ai jamais vu un combo comme ça. Hein. En fait, pour faire le combo, j'appuie sur la touche pour dash. J'appuie littéralement sur la touche pour dash et il a fait un combo. Alors que j'étais en train de dasher. Regardez, j'appuie sur la touche pour dash. Hein. Il fait un combo ce con. What? Je comprends, hein. C'est trop stylé comment il balance Végéto. Quand il lance Végéto, c'est stylé, mais on voit rien du tout. Justement, cette touche est un combo spécial dans une autre transfo, d'accord. Et ça fait pas pour chaque transfo, du coup? Ah, c'est sympa, hein. Mais... Oh, final look, Kamehameha! Ok, sympa. Oh. Mais du coup, ça veut dire que là je fais que Gogeta, mais du coup, ça veut dire qu'il en a plein pour... Mais pourquoi t'es resté... Pourquoi t'es passé direct en blue? Oh, mais non. Boum, boum, boum. Ok. C'est quoi ce flashbang? Ah non, il le lance aussi. Let's go. Ah, c'est nimp. Boum, 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 boum. Oh, ça s'arrête pas. Oh, ça continue. À chaque transfo, ça continue. Ouais, il était en SSJ code, mais il s'est dit, bon, allez, SSJ Blue, j'ai pas le temps, moi. Non, mais pourquoi vous faites ça? Faut que je m'entraîne à faire les pauses quand vous faites ça. Ok. Au suivant. Du coup, si je switch, il est en SSJ Blue? Oh. Oh, puis le petit sourire. Let's go. Ah, du coup, il balance Gogeta. Vas-y! Oh, c'est stylé. Oh, c'est sympa, en vrai. Ouk. Ok. Oh non, mais pourquoi tu te transformes pas, toi? Yosha! Du coup, il se met en SSJ God aussi, into. Ah non, lui, il va direct en SSJ Blue. Ok. Pourquoi tu te transfos pas, mon ref? Transfo, on a dit. Mais transforme-toi! Bon, t'es nul. Dégage. Il vient de balancer. Ouais, il se lance entre eux. Hein. Oh là là, le SSJ Rouge. Enfin, SSJ Rouge, SSJ God. Et après, il se dit, let's go. Allez, j'ai pas le temps. Mais non, mais pourquoi vous êtes transformé? Bon. J'ai compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris, en fait. Yo, Niamaru, ça va bien et toi? Alors. Ouais. Oh, stylé la charge. Oh merde! Au pire. Ah ouais, direct en blue. Tant pis. Hein. Au pire, qu'est-ce qu'on a à perdre? Transfo spécial est en forme de base. J'étais en forme de base là, non? Je sais plus. Bref, c'est pas grave. Testons ça, on verra bien. Oh, la vitesse, mon gars. Ok, il a les mêmes attaques. Il a les mêmes attaques, sauf ça, non? Ouais, du coup, il fait un Big Bang Kamehameha x 100. Il est mort. Je peux défusionner, ok. Oh, il a atterri sur le petit truc. Oh là! Il s'arrête pas. Non mais en fait j'ai l'impression qu'il est de plus en plus rapide sur les combos.
Il est de plus en plus rapide. C'est n'importe quoi. Reviens. Ok, il s'arrête. Non mais je voulais pas, non. Comment je redeviens normal? Je peux pas défusionner. Au pire, hein. Non, ça c'est la fusion. Ah. Passer de Végéto à Gogeta. Ouais. Et du coup, je peux fusionner? Merde. Parce que je voulais faire. En fait, je voulais refaire deux fois la touche, mais avec Végéto. Merde! Il a peut-être pas, hein. Tellement de transo, ouais, non, mais c'est le genre de mode où... où t'es un peu embrouillé. Ah, voilà! Quand même! Boom! Ça s'arrête plus! Oh! Oh, moi, j'aime bien! Moi, j'aime bien! Oh, il a pas les mêmes combos, évidemment! Le modeur préfère les... Ah ça tu peux plus le faire du coup. Ça on l'avait pas tout à l'heure je crois. Boum. Mais pourquoi tu fais ça? Oh il est classe de fou. Et du coup, les combos. C'est les mêmes que l'autre. Oh mais la rapidité des combos s'il vous plaît. La rapidité des combos. Du coup, il peut ultra instinct. Ça, par contre, c'est exactement les mêmes moves qu'un autre mode de je sais plus qui. Hein. Ou alors, c'est. Enfin, je sais pas qui est le modeur qui a volé tous les autres trucs à l'autre modeur, mais. C'est scandaleux. Hein. Ça l'a tué. Bah alors. Ah oh, non, c'est trop beau. Vraiment, c'est trop beau. Il me reste des combos, enfin des transfos à faire, des trucs. Qu'est-ce qui me manque? J'adore ce combo est juste incroyable. Hein. Ok, j'ai tout fait. Ah, si, en vrai. Mais du coup, c'est quoi le combo spécial de que tu parlais? C'est quoi le combo spécial? Boum! Let's go! Ok. On peut faire une vidéo? Bah, pas tout de suite. Pas tout de suite, mesdames et messieurs. Du coup, l'autre. Ok. Et après, je pense, j'ai envie de... D'accord, le jeu a crash. J'ai envie de rejouer après avec le Gogeta qui est trop stylé. Juste pour le fun, pour le kiff, puis je pense qu'après on s'arrêtera là. Parce qu'il est quand même minuit, hein, mine de rien. Ah oui, après, rien que le... Rien... Enfin... Après, je le testerai peut-être un jour en vidéo, les gars. Peut-être, hein. Ça, c'est pas impossible. Mais pas aujourd'hui. Là, je pense que je vais pas tourner de vidéo aujourd'hui. Enfin, à part celle qu'on a fait avant, mais... Oui, peut-être que je le ferai en vidéo. Gwen en vidéo. Ouais, faudrait que peut-être je le ferai aussi un jour, Gwen. Après, est-ce qu'il mérite sa vidéo que pour lui? Je sais pas. T'es obligé de faire une vidéo dessus un jour, c'est vrai qu'il est vraiment pas dégueu. C'est celui-là qu'on vient de tester, donc maintenant celui-là. Voilà, vie qu'il a encore. La vie qu'il a. Donc là, c'est Gogeta encore.
C'est encore Gogeta. Stylé l'entrée en scène. Oh là, le sourire, il est terrifiant. Juste faire un truc parce que voilà, parce que j'ai envie. Alors là, vous allez me dire que je suis pas en danger là. Là, je suis pas en vie en danger. Wouah, il va mourir. C'est bon là, t'es content? Ah bah quand même. Non mais oh. Vous êtes là depuis quand? C'est quoi ce sondage qui est apparu là? Ah c'est si en vrai. Juin maintenant, janvier, juin, septembre, avant août 2022. Ouais, y'en a, vous êtes des monstres. Hein. Et qui sont là avant août 2022, vous êtes des monstres. Septembre, janvier. Il y a beaucoup de janvier, juin. Bah après, c'est peut-être parce que c'est une plus grosse période. Propre, hein. Propre. Alors. Oh, stylé. Il brille, hein. Yokuzo, comment il va? Oh, il est classe. J'ai déjà testé un Gogeta, je crois, comme ça, qui avait un moveset comme ça. Ok. Boum. Oh, stylé. Il s'arrête pas. Oh, le Rinken. Oh là là. Bah oui, non mais vas-y. D'accord. Ok. Orage vénère. Ah, c'est bien les orages. Avant, j'avais peur de fou des orages. Maintenant, ça va un peu mieux. Monte! Relou. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Et j'ai pas compris. Oh, ça a l'air d'être compliqué au niveau des combos tellement ça va vite. What the fuck? On a encore! Ryuken! Pourquoi ils font 1 million de Ryuken? Mais t'es en PV illimité, d'où t'es soufflé? D'où t'es soufflé? Non, pas encore! Il y a que des Ryuken dans ses attaques. Ah, il est stylé, hein. Merci pour le follow, moi, wesh. Et la charge qui est en mode garde punitive, ok. D'accord. Ok, j'ai compris. Oh, il va tellement vite. Oh, c'est classe. Ah oui. Ok, sympa, j'aime bien. SSJ. Est-ce que le combo est différent, SSJ? Book. Est-ce que le combo est différent? Non, il a pas les... Il a les mêmes combos, ok. Au moins, on est vérifié. Boum. Au moins, on le sait. Merci, moi, wesh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de lire ce genre de commentaires. Ensuite, il a SSJ Blue, ok. Ah, c'est sympa, hein. C'est pas le genre de mode que je préfère, mais c'est sympa. Ah, c'est le même combo, hein. C'est le même combo. Mais c'est sympa. Oh là là, le Ryuken. Ah, c'est tout. Ah, il va direct au Blue. Oh, 3. Ok. Ouais. J'en suis à où, là? Ah oui. Oh. D'accord. Ok, c'est les mêmes combos. C'est les mêmes combos.
Ah, franchement, il est sympa, hein. Il y a beaucoup de transfo. Dommage que ce soit le même moveset à chaque fois, mais... Ok, il se détransfo. Alors dis-moi si on a tout fait, Xarcis, mais je pense qu'on a tout fait. Hein. Je pense qu'on a tout fait. Ah, il est sympa, hein. Franchement, il est sympa, ouais. Je pense que je le... Ah, je sais pas, parce que l'autre, il a un combo stylé, en vrai. Après, mon préféré restera de très très loin ce Goku, parce que bon, voilà. Il est incroyable. Je pense que de la soirée qu'on a testé... Ouais, Goku. Goku, quand même. Après, peut-être... En vrai, peut-être le Gohan, parce qu'il est tellement original que et ça change. J'aime bien, j'aime bien. On va juste tester un set du Gokan, et après on fait l'autre Gogeta. Et on s'arrêtera là. Je prends le premier. Je vais carrément prendre l'autre Gogeta, carrément, comme ça on gagne du temps. On gagne du temps comme ça. Et on va se friter ici. Parce qu'on on me demande depuis tout à l'heure. Non, je peux pas juste SSJ3. T'es au courant que la plupart des mods que tu testes et partages sont des mods volés? Très certainement. Très certainement. Mais bon, c'est tellement un monde de chiens le modding sur ce jeu, c'est une folie. C'est une folie. Et j'en ai absolument rien à faire. C'est pas mon problème. Moi, c'est dispo, je le prends. On me le donne, je teste, puis voilà. C'est vraiment pas mon problème. Un map de DBL, c'est stylé. On ban Hunter, mais laissez ce pauvre Hunter tranquille. Tiens, le moment où tu les partages, c'est un problème. Ah, écoute, ça change quoi? Littéralement, ça change quoi? Moi, j'en sais rien que c'est volé. Hein. On me le passe, moi, je le teste, hein. C'est qu'un mode, hein. Ça reste un mode, hein. Oh non, il est en anglais. Oh non, c'est terrible. En anglais, c'est horrible. Non, mais ne bannez pas Hunter. Non. Alors des modes sont des modes volés. Et oui, mais frérot, c'est... Les modes soi-disant volés. Déjà, je sais pas ce que t'appelles volés. Ça veut dire quoi? C'est des modes payants. Ils ont leak, du coup on les a récup et on les teste et je les partage. C'est ça que tu t'acceptes pas? Les modes payants sont... Les modes qui sont payants ont eux-mêmes des trucs qui ont été modés, qui ont été volés d'autres modes. Donc à partir de ce moment-là, ça n'a aucun sens. Donc après, peut-être qu'il y en a, ils autorisent, etc., etc. Mais tu regardes un mode payant, je commence à en tester vraiment beaucoup, et il y en a quand même pas mal qui se ressemblent. Des modes payants. Et donc même, des fois, pour la plupart, ne marchent pas. Donc bon, tu payes des modes, soit ils marchent pas, soit c'est des trucs que t'as peut-être déjà vus. À partir de ce moment-là, je t'avoue que j'en ai un peu rien à foutre. Donc après, si ça te dérange, y a pas de souci. Ce que t'as à faire, c'est juste, tu t'en vas, tu fais le vide dans ta tête, et tout ira bien. Parce que je compte pas arrêter parce que tu n'es pas content que je teste des modes dont j'ai accès. C'est, encore une fois, c'est une histoire de point de vue. Moi, je changerai pas ma façon de voir les choses. Si t'es pas d'accord avec moi, et bah tant pis. Mais viens pas casser l'ambiance du stream parce que t'es pas content qu'on teste des trucs qui sont soi-disant payants et que j'ai pas envie de payer. C'est le partage que tu en fais derrière. Ah bah je crois que t'es le seul à pas être content de ça. Je crois que t'es littéralement le seul à pas être content de ça.
Oh non, pourquoi il a ça? Pourquoi il a ce truc de retourner? C'est tellement chaud à combo, ça. Oh, en vrai, c'est sympa. Oh. Ouais, j'aime bien la transformation. Les serveurs ont dû fermer pour ces raisons-là. D'accord. Il va se passer quoi? Ils ont dû fermer n'importe quoi. Ah, tu peux rire, hein. Ah oui, mais peut-être. Mais enfin, je vois pas pourquoi on viendrait me faire chier. Oh, tu partages des mods. Oui. Et donc? Moi, je les partage, hein. On me les a donnés. Je suis pas savoir qu'ils sont payés. Je suis pas censé savoir qu'ils sont payants. Je peux jouer au con, hein. Ah ouais, carrément, Vaninox. Ah ouais, putain. Oh, c'est violent, ça. Mais t'as bien fait. Allez, on peut reprendre. Non mais je pense que Flockers, enfin, est pas d'accord sur le fait de ouais, faut pas leak des mods, etc. Parce que il fait des mods, je pense qu'il veut en faire payer aussi. Il veut son morceau de pain à lui, donc voilà. Forcément pour lui c'est problématique que d'autres gens leak des mods, parce qu'il sait très bien que s'il en fait payer, bah les siens finiront pareil. Je pense que c'est pour ça. Mais bon. Et puis au pire, si le serve devra fermer, bah écoute, je leakerai absolument tout ce que j'ai, on ferme le serveur, on en ouvre un autre, et puis on n'en parle plus. Ça ira aussi vite comme ça. Au pire, ça change absolument rien qu'un serveur ferme. Hein. Honnêtement, pour le peu que ça change. Bah en vrai, il est cool le mode. Mais c'est pas c'est pas transcendant non plus. Les combos sont sympas. Ça reste assez classique en fait. Donc c'est pas trop dégueu. A voir ce qu'il donne en combat. Ah, il est cool quand même. En vrai, il est cool. Ça s'enchaîne bien. Il a un Makenko Sapo, ok, pourquoi pas. Pas le principe de faire payer des mods sous la licence de Mandai. Bon, certains te diront, ouais, mais nous, on crée nos mods de A à Z, donc voilà, c'est legit. Moi, tout ce que je vois, c'est que vous faites payer des mods. Hein. C'est tout ce que je vois. Et bizarrement, il n'y a que sur des jeux anime-manga que ça existe. Hein. Tu vas sur Cyberpunk, il n'y a pas un seul mode payant. Tu vas sur Minecraft, il n'y a pas un seul mode payant. Enfin, pourquoi vous devriez faire des mods payants? Je sais pas. Puis pour la plupart, des fois, vous faites payer des mods très très chers pour des trucs que vous avez volés ailleurs, donc... Voilà, quoi. Non, mais même, de toute façon, Kuzo, à partir du moment où pour installer le mod, t'as besoin de l'assistance d'un mec... Enfin, le XV2 INS, bizarrement, il est pas payant. Hein. Bizarrement, ils l'utilisent tous. T'es obligé de passer par là pour son mode payant. Donc en soi... Bon, on en a assez vu de celui-là. Il est cool, mais voilà quoi. Il y a quelques modes payants sur Minecraft. Ouais, mais comparé à tout le reste. Donc qui achète des modes payants sur Minecraft, quoi. Peut finir. On va se faire un petit plaisir. Ah non, c'est terrible. Si vous voulez faire de la thune avec vos talents pour faire des trucs dans les jeux, bah
Créez votre propre jeu et cassez pas les couilles. Hein. Et la plupart du temps, on prend les mods pas forcément pour le modeur en lui-même. Hein. C'est parce que c'est Dragon Ball hein, et que. Allez, le mod est assez stylé. Mais si c'était pas Dragon Ball, jamais de la vie on paierait les mods. Mais hein. Le pire, c'est qu'ils le savent. Hein. Ils font bon, bah, c'est du Dragon Ball, let's go. On se fait plaisir. Hein. Allez, bref. Ah, il a bien niqué le live lui. Hein. Ça fait plaisir. T'as testé mon potato? Non, j'ai pas testé Kuzo. T'as fait un potato? J'ai pas vu en tout cas. Ou alors je m'en rappelle plus. Mais du coup, non, j'ai pas testé. Soit j'avais oublié, soit j'ai carrément pas vu que t'as fait un potato. J'ai publié sur le sav. Je t'avoue que là en ce moment, j'y traîne pas du tout sur le sav. Bon, allez, faisons-nous plaisir. Kiffons! Et on va s'arrêter là. C'est parti. Ah, ce mode. Ah, ce mode. Il est quand même incroyable. Hein. Ouais, vas-y, Xerilo, vas-y. Hein. Si vous voulez me mentionner sur TikTok, allez-y. Hein. Je vais très rarement sur TikTok, mais quand vous me mentionnez, je le vois de temps en temps. Non, j'ai pas arrêté les streams TikTok, c'est que juste j'en fais moins souvent. J'en fais vraiment quand je suis motivé à le faire. Faut l'endurer le live TikTok. Hein. La plupart du temps, c'est des trucs chiants. Des fois, t'as des mecs cool, mais la plupart du temps, c'est des gros relous. Hein. TSJ ? Oh là là, mais cette transfo ! Incroyable. Incroyable. L'OST Broly que t'as dans le jeu, j'avoue. Cinématique, là. Cinématique trailer. Alors. Let's go. Et là, on va kiffer. Là, on va kiffer. On va même prendre le Broly transfo, tu sais quoi. Et là, on profite. Merci Panda, c'est gentil. Let's go. Tellement ouf. Broly. On entend pas très fort la musique. Oh, on peut changer une game, putain, je savais pas. J'apprends quelque chose. Allez. Même ce mode, tu vois, ce mode il est aussi incroyable. Je trouve que le Gogeta il est gratuit. Il est gratuit ce mode, il est gratuit. Let's go. Ok, tu veux jouer? On va jouer. Let's go, mon gars. Ah, j'adore. Tellement ouf. Tellement classe. Aïe, 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 aïe. Tellement ouf. Oh là 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 là, c'est n'importe quoi, j'adore. Je m'en lasserai jamais hein. Je m'en lasserai jamais, vraiment. Alors je sais qu'il y a un autre combo mais je sais plus comment on le fait. Je sais qu'il y en a un autre mais... Non, ça doit être ça alors. Je sais plus comment on fait. Ah, il y en a peut-être pas en fait. Il me semblait qu'il y en avait un autre.
Non, il n'y en a pas d'autres. Ah, je croyais. Ah, voilà, je savais bien qu'il y en avait un autre. Voilà, monsieur. Voilà, monsieur. Yo, Alexis. Tellement classe. C'est tellement une folie. Oh là 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 là. Incroyable. Ah, c'est une dinguerie, hein. C'est vraiment une dinguerie. Il y a vraiment limite tous les moves, tous les gros moves du film. Oh, puis la musique qui s'arrête en même temps. On a même pas eu le temps de tout faire. On a même pas eu le temps de tout faire. Ouais, je l'ai la map, mais bon, c'est dur de faire des transitions. Mais je l'avais fait quand j'avais fait le mini-film dans la vidéo où je le montrais. Quelle dinguerie! Quelle dinguerie, ce perso! C'est quand même une folie, hein. Aïe 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 aïe. Incroyable. Trop trop bien. Ah, je l'ai la map, hein. Je l'ai la map, mais c'est juste que je pouvais pas switch, quoi. Mais sinon, je l'ai la map, hein. Attendez. Je peux vous montrer très vite fait, hein. Pour faire RP. J'ai perdu Gogeta. Ça y est. Je l'ai, hein. C'est juste qu'on voit pas trop, quoi. Enfin, y a pas... En vrai, dans la dimension, ils se font 2-3 coups, ils se transforment et ça repart, hein. Je l'ai, hein. Je l'ai, regardez ça. Mais elle y est. Elle existe. Quand même incroyable. Hein. Trop stylé. Bon. Bah écoutez. Je crois que c'est là-dessus qu'on va pouvoir s'arrêter, les gars. Hein. On va pouvoir s'arrêter. J'espère que ce petit live vous aura plu. On se retrouve demain. Demain, après, matin, je sais plus. Je sais plus, vous savez quoi, je vais regarder le planning. J'ai oublié. J'ai oublié. C'est à quelle heure? À 11h. Ok, on se retrouve demain à 11h pour du Dragon Ball Legends. J'espère que vous aurez bien kiffé ce stream. Grave, grave cool. On a testé plein de persos très très stylés. Et puis... J'ai une live en même temps que le caméra full power. Vous voulez que je fasse la transition quand quand je fais le Kamamea, si vous voulez. Si vous voulez, je refais l'animation. C'est quoi, je mets même le chat pour que vous disiez au revoir. Et moi, je vous fais la grand bazou ici. Bonne nuit, bonne soirée, bon farm, tout ce que vous voulez. Profitez bien. Et à la prochaine, les gars. À la prochaine. Je vous fais le dernier combo. Et je switch. Je switch dès que le Kamamea y part. Allez, des bazou, les gars.